Bonjour, mon nom est Judith Ritchie, je suis experte en beauté holistique. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le nouveau soin boréal du Strum Spa Nordique. Plus que jamais, les gens recherchent des produits naturels qui vont procurer un vrai moment de bien-être à la maison. Et l'idée du Strum Spa, avec sa nouvelle gamme de soins boréal, était d'imaginer un continuum de beauté pour justement procurer cet effet de bien-être une fois à la maison. À travers son parcours nordique unique, le Strum procure un véritable moment de bien-être et de stabilité intérieure. L'idée ici, c'est de prolonger cette expérience à la beauté du visage. Bien plus qu'une crème, un soin au spa a pour but de mettre en lumière notre beauté naturelle et intemporelle. Personnellement, j'aime bien l'idée de tester le soin directement au spa avant d'utiliser les produits à la maison pour me permettre de véritablement vivre l'expérience sur place et ensuite apprendre la gestuelle pour le recréer une fois chez moi à la maison. Le soin boréal est vraiment une expérience sensorielle qui nous permet de découvrir la gamme boréale dans un univers qui nous propulse justement dans la forêt boréale. Je vous invite donc à m'accompagner et à vivre l'expérience boréale avec moi au Strum Spa Nordique. La salle du soin boréal est préparée d'avance avec l'huile essentielle Tundra pour vraiment tout de suite créer une ambiance de forêt boréale. Le soin débute par un nettoyage de peau, soit avec le lait nettoyant ou avec le gel nettoyant moussant. Un nettoyage accompagné de serviettes chaudes aromatisées avec l'huile essentielle de notre choix pour bien préparer la peau à recevoir les étapes suivantes. On procède ensuite à l'analyse de peau pour déterminer notre type de peau et le rituel qui suivra. On applique la bruine tonique pour rééquilibrer le pH physiologique de la peau. Ensuite vient l'étape de l'exfoliation qui va éliminer les cellules mortes pour bien préparer la peau à recevoir les soins hydratants suivants. On vient stimuler certains points de pression au niveau du visage et du cuir chevelu pour calmer l'esprit, rendre le visage plus lisse, mais aussi pour purifier nos pensées. Ensuite, on vient appliquer l'huile corps et cheveux au niveau du visage et du décolleté pour débuter le massage à l'aide des pierres froides pour créer cet effet chaud-froid qui va venir stimuler un coup d'éclat et diminuer les cernes. Ensuite, on vient appliquer le masque équilibrant à l'aide d'un pinceau, vraiment une gestuelle sensorielle qui procure également un agréable moment de détente. On laisse poser le masque 10 minutes pour une véritable hydratation. Et si on a la peau légèrement plus grasse, on peut laisser poser 15 minutes, vraiment pour un effet encore plus purifiant et astringent pour le visage. On vient retirer le masque à l'aide d'une serviette chaude infusée d'huiles essentielles pour vraiment préparer la peau à recevoir le sérum, qui est l'étape suivante, un sérum qu'on applique à l'aide de petits pincements jaquets pour stimuler la circulation sanguine et la tonicité de la peau. On termine le rituel avec l'application d'une crème de jour adaptée à notre type de peau qui va nous accompagner tout au long de la journée et nous donner une belle hydratation. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vivre l'expérience boréale du Strum. Pour ma part, j'ai adoré l'expérience. Aussi, de le vivre directement au spa avant d'utiliser les produits, ça nous permet de bien comprendre la gestuelle, mais aussi de rapporter un souvenir à la maison.